ce soir. Mystère et inquiétude autour de l'état de santé d'Alexei Navalny. Un jeu de chaises musicales provoque un scandale européen. Enfin, une œuvre d'art saccagée. Inquiétude autour de l'état de santé d'Alexei Navalny. C'est la nouvelle affaire Navalny qui divise la Russie. Comment va le plus célèbre opposant à Vladimir Poutine, lui qui est détenu depuis le 12 mars. À en croire les médias pro-Kremlin, il va très bien. Ces images de l'intérieur de la prison sont diffusées pour montrer qu'ils sont totalement transparents. Et écoutez, Maria Butina, ancienne espionne russe et désormais journaliste pour la chaîne RT, une chaîne financée par le Kremlin, je le rappelle, qui a pu visiter cette prison. Et à l'écouter, on y dormirait presque. You can see that everyone has space. There's a shared kitchen. There are special rooms for long family visits, which do not exist at all in America, which there are no such visits. He looks down on everyone, you know? As someone who's been to prison, I would advise him not to behave in this way. The administration will protect him as best they can, but he's living with other prisoners. Des conseils donnés à Alexei Navalny, car il y a quelques jours, lui a pu poster ce message sur son compte Instagram. J'ai vu plein de reportages affirmant que je vis dans des conditions parfaites, que j'ai de la nourriture comme dans un restaurant. Aujourd'hui, la troisième personne de ma cellule a été hospitalisée pour la tuberculose. Chaque prisonnier prie Dieu de ne pas se retrouver ici, car à l'intérieur, c'est l'insalubrité, la tuberculose et le manque de médicaments. Manque de médicaments alors qu'il souffre de douleurs au dos, aux jambes, qu'il aurait perdu 13 kilos depuis le début de sa détention. Il n'est pas prêt d'aller mieux. Depuis une semaine, pour dénoncer ses conditions de détention, il a entamé une grève de la faim. Alors ses partisans inquiets sont venus à sa rescousse exiger une meilleure prise en charge devant sa prison. Sauf qu'ils n'ont pas reçu le même accueil que la journaliste de RT. Cette femme que vous voyez, c'est Anastasia Vassilieva, médecin, militante de l'opposition, qui a juste eu le temps de dire cela. Алексей находится в таком состоянии, и я уверен, что многие заключенные вообще по всей стране реально тоже еще даже в худшей ситуации. И это, прежде всего, нарушение прав человека. Peu après, elle a été arrêtée avec 9 autres personnes. C'est donc la femme de l'opposant qui prend le relais et inonde les réseaux sociaux. Voici son dernier message. Le patron de ce camp de concentration m'écrit pour me demander de trouver le passeport de mon mari. Sinon, il ne le laissera pas se rendre à l'hôpital. N'oubliez pas que s'il arrive quelque chose à Alexei, sa mort sera sur la conscience de Poutine. Patrick. 30 ans après la fin de l'URSS, la Russie a réinventé le goulag. C'est un goulag un peu plus moderne, puisque accessible à des moyens de communication, à des réseaux sociaux, à des prisonniers qu'on peut localiser. Mais ça revient exactement aux pratiques qui étaient celles de la Russie stalinienne et de l'URSS. Alerte au super macho. Le président turc choque en recevant la présidente de la Commission européenne sans aucun égard, et c'est un euphémisme. Pour relancer le dialogue entre la Turquie et l'Europe, c'est l'Europe qui vient à la Turquie. Hier, le président turc Erdogan a eu droit à un traitement de faveur. Ce n'est pas tous les jours que Charles Michel, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, président de la Commission européenne, se déplacent à deux jusqu'au palais présidentiel à Ankara. En revanche, eux ne peuvent pas en dire autant sur le traitement qui leur a été réservé, ou plutôt qui a été spécifiquement réservé à Ursula von der Leyen. Un raclement de gorge suivi d'un hum qui fait beaucoup de bruit depuis hier. Ce hum, c'est tout ce que se trouve à dire Ursula von der Leyen, sans voix, surprise, désemparée quand elle se rend compte sous les flashs des photographes qu'il n'y a pas de chaise prévue pour elle et qu'elle devra donc s'asseoir loin des deux hommes sur le canapé. Difficile de croire à un simple oubli ou à un hasard. La preuve, quand Erdogan recevait Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen, à Ankara en 2015, il y avait bien 3 fauteuils, vous le dites, Babette, comme quoi c'est possible. À l'inverse, quand Erdogan était reçu à Bruxelles en 2017 par Donald Tusk, l'ex-président du Conseil, et Jean-Claude Juncker, ex-président de la Commission, là aussi, il y avait 3 fauteuils sur le même rang. On peut donc penser à une mise en scène soignée, pensée par la Turquie, une sorte de traquenard diplomatique, comme un pied de nez aux valeurs européennes. D'ailleurs, quand on se rend sur le site officiel de la présidence turque, le fameux moment de gêne, ce « e » et cette chaise oubliée, eh bien, c'est totalement zappé, comme si le moment n'avait jamais existé. En tout cas, la scène a bien été vue côté européen, et elle a choqué des internautes outrés de l'attitude d'Erdogan d'abord, mais aussi de l'attitude de Charles Michel, le président du Conseil européen. Qui s'assied ? Bah oui ! Regardez le tweet de Raphaël Glucksmann, député européen. Comment Charles Michel a-t-il pu accepter ce traitement infligé à Ursula von der Leyen ? La violence symbolique de la séquence imposée à Erdogan est dingue, en s'asseyant quand même.
Charles Michel s'assoit aussi sur l'égalité femmes-hommes. Alors on s'est repassé cette scène au ralenti. Et en effet, on voit Charles Michel s'asseoir sans trop hésiter. On le voit même étendre ses jambes, soulagé de pouvoir se reposer un peu. Or, il aurait pu se lever, refuser cette mise en scène, proposer son fauteuil à Ursula von der Leyen. Mais non, pas de vague. La visite étant dédiée à réchauffer les relations avec la Turquie. Relations qui s'étaient en effet quelque peu refroidies ces derniers temps. Turkey is and will always be an important neighbor. But while we are close together on the map, the distance between us appears to be growing. Yes, Turkey is in a troubled neighborhood. And yes, it is hosting millions of refugees, for which we support them with considerable funding. But none of this is justification for attempts to intimidate their neighbors. Relation encore plus glaciale de quand il y a deux semaines, la Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul, Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Ce qu'Ursula von der Leyen n'a pas manqué de souligner hier à l'issue de cette charmante réunion. Turkey must respect international human rights rules and standards, to which, by the way, the country has committed itself as a founding member of the Council of Europe. I am deeply worried about the fact that Turkey withdrew from the Istanbul Convention. This is about protecting women and protecting children against violence. Elle est restée tout au long de cette réunion depuis pas de vague, l'important c'était le contenu, réchauffer les relations avec la Turquie. Une œuvre d'art saccagée à Séoul. Ça s'est passé dans un musée de la capitale sud-coréenne. Les deux saccageurs ont été filmés, vous allez les voir, par des caméras de vidéosurveillance. Voyant des pots de peinture ouverts et des pinceaux devant l'œuvre, ils ont cru bon d'ajouter leur touche à la toile exposée. Or, cette toile, c'était celle de l'artiste Jeonwon, graffeur, peintre franco-américain, un artiste reconnu mondialement. Ses œuvres se vendent des dizaines de milliers d'euros chacune. Et cette œuvre en question, exposée au musée sud-coréen créé en 2016, était jusque-là estimée à 400 000 dollars. Et les pots de peinture, les pinceaux, les effets personnels du peintre faisaient partie du concept de l'œuvre, œuvre qui désormais ressemble à ça. Alors, le couleur noire verte que vous voyez, c'est ce qui a été ajouté. Patrick Cohen dit que l'œuvre a été améliorée. Écoutez, ça ne se discute pas, c'est subjectif. Mais que va décider l'artiste? Quand on lui posait la question, il disait que sa peinture était faite pour être touchée. Ah, mais formidable! C'est une œuvre avec beaucoup de couleurs et en même temps, c'est très brut. Donc, on peut toucher. Oh, oui, la peinture, c'est... j'aime bien toucher. J'aime bien toucher, visiblement pas tant que ça. Depuis le sacrilège du jeune couple, cette mention « ne pas toucher » a été ajoutée devant l'œuvre et un cordon de sécurité a été installé. Maintenant, c'est clair. Vous êtes en peinture, Damien Delceni? Je pourrais peut-être faire ça, ouais, je pense. Possiblement, mais pas beaucoup mieux. C'est une cavalière au mental d'acier. D'ailleurs, le Parisien lui consacrait un magnifique portrait hier. Ninon Forget, elle a 17 ans. Elle est passionnée d'équitation qu'elle pratique depuis qu'elle a 2 ans, jusqu'à ce qu'un terrible accident survienne. C'était il y a quelques mois, le 14 juin 2020, alors que Ninon s'approche d'un cheval pour lui remettre sa protection arrière. Il a une réaction brusque et il lui porte un violent coup de sabot en plein visage. Un coup qui va lui faire instantanément perdre la vue. Mais seulement 3 mois plus tard, elle va remonter à cheval. Elle poursuit aujourd'hui sa passion de cette façon. Là, main gauche, là, et sous, là, et sous, droit, là, et sous, ok, là, main gauche, là, saut, Voilà, bonsoir Ninon Forget. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Les images que nous venons de diffuser ont été tournées il y a 5 jours. On entend votre coach vous guider à la voix. Cette technique, vous l'avez empruntée à un cavalier non-voyant qui participe à des compétitions avec des personnes valides. Et c'est votre mentor. Son histoire, son expérience vous a totalement
inspiré. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'impossible est un bon début » et c'était le livre de chevet de votre convalescence. Oui, c'est ça, Salim Ejnaini. On est rentrés en contact après mon accident et j'ai pu le rencontrer quand j'ai fini mon hospitalisation. Oui, ça a été un mentor. Il m'a donné sa méthode et grâce à lui, voilà, j'ai été rassurée. Vous vous êtes dit, je pourrais remonter à cheval. Voilà, dans le sens où, enfin, je me suis dit que c'était possible, que de ressauter, c'était possible. Chuter et remonter, c'est ce qu'on apprend en équitation très vite. C'est des rudiments. Mais la remontée à cheval, 3 mois seulement après un accident très grave, ça demande quand même un moral d'acier. Vous saviez que vous aviez cette force en vous ou vous l'avez découvert ? Non, je l'ai un petit peu découvert. Après, je pense que vu que j'ai fait beaucoup de compétitions, de saut d'obstacles, voilà, ça m'a appris à aller de l'avant, à savoir se relever après les échecs. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé après mon accident. Ça m'a permis d'avancer, quoi qu'il en coûte, et de continuer à faire ma passion. Remonter à cheval, c'est un exploit, mais déjà s'approcher d'un cheval a dû vous demander quand même un effort, avec en tête les images de votre accident, un coup de sabot en plein visage. Alors que vous vous approchiez pour placer une protection à la patte d'un cheval, vous ne perdez pas connaissance. Instantanément, vous êtes plongé dans le noir et dans l'ambulance, vous comprenez que ce qui vous arrive est très grave. Oui, c'est ça. C'est en fait dans l'ambulance, quand les pompiers m'ont ouvert les yeux, ils m'ont demandé si je voyais rouge. Et en fait, je voyais déjà plus rien. Du coup, j'ai vite compris que la situation elle était quand même assez grave. Mais voilà, après, moi, j'ai jamais vu ma vie sans ma passion, sans mes chevaux. Donc en fait, c'était plus nécessaire pour moi d'aller les revoir et de remonter qu'une crainte. C'était vraiment, j'avais besoin de retourner et d'avoir un contact avec eux. 27 fractures au visage, 7 opérations. À l'hôpital, les médecins évoquent vos blessures comme des blessures de guerre. Mais dès le lendemain, vous n'aviez qu'une question à la bouche. Bon, je remonte quand à cheval? Oui, ils vous ont dit non, mais non, arrête tout de suite, non? Ils ont été assez surpris. ils m'ont dit que je devais attendre quelques mois. Au début, ça devait être 4 mois, on m'avait annoncé. Je trouvais ça très, très long. Heureusement, j'ai réussi un petit peu à écourter, mais... Ils ne vous ont pas découragé, ils ne vous ont pas non, dit... Non, pas du jamais, tout. Ils ont été super. Ils étaient contents que je voie continuer ma passion et mon sport. Marion. Ninon, votre jument s'appelle Clé, vous la montiez avant votre accident. Est-ce qu'elle ressent ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a changé de comportement? Je pense qu'elle ressent qu'il y a eu un changement. Et après, oui, elle a quand même changé de comportement. Elle est plus attentive à ce que je lui demande quand je la monte. Elle se canalise plus aussi, je pense. Voilà, elle est vraiment à l'écoute de ce que je lui demande quand on est au travail. Et puis pour le saut d'obstacle, qui est votre spécialité, vous avez une autre jument qui s'appelle Dune. Oui, elle n'est pas à moi, elle est à une amie à ma famille. Mais du coup, elle me la confie, on va dire, pour que je puisse sauter avec elle, parce que elle est quand même, elle est douce et elle est assez patiente. Donc avec elle, je peux ressauter, elle est super, donc c'est génial. Ninon, vous avez le galop 7, c'est-à-dire le diplôme le plus élevé dans votre spécialité. Vous pensez le retrouver un jour, ce niveau? Est-ce que je retrouverai mon niveau un jour? Je ne sais pas, mais en tout cas, mon objectif, c'est d'aller au plus haut niveau que je puisse aller maintenant et de continuer à travailler pour atteindre un maximum d'objectifs au fur et à mesure du temps. Hasard de la vie, on vous avait déjà rencontré, nous, il y a quelques jours, c'était en mars dernier, lors d'une manifestation des écoles hors contrat, parce que vous êtes dans une école hors contrat. Oui, l'école Diagonale, en cursus sport-études. Voilà, et vous allez donc devoir passer le bac en présentiel, contrairement aux autres écoles qui vont pouvoir avoir l'examen, enfin, passer l'examen en contrôle continu, et vous nous disiez cela. En tant qu'école hors contrat, on doit passer le bac dans différentes conditions que les élèves de sous-contrat. On est exposé 13 fois plus au Covid. Pourquoi 13 fois plus? Parce qu'on aura 13 épreuves en plus en fait que les épreuves sous contrat, parce qu'on devra passer le tronc commun ainsi que les spécialités. Du coup, on expose nous, nos familles, nos proches à la maladie du Covid.
Vous êtes toujours aussi remontée? Je ressens quand même une injustice parce que, mais en plus la situation s'est aggravée maintenant. On a tous nos cours en visioconférence, on a subi la demi-jauge aussi. Et voilà, et du coup, j'aimerais vraiment demander au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, pourquoi on est traité différemment que les lycées sous contrat, nous aussi. La maladie, enfin le Covid, ça a bouleversé nos vies. On a les mêmes restrictions sanitaires. On a eu la demi-jauge, on a eu des cas positifs dans nos classes. Nos profs ont été malades. Alors pourquoi on n'est pas traité comme tout le monde alors que c'est vraiment dur pour tout le monde, je pense, cette situation, hors contrat ou pas hors contrat. Voilà pour ce message que vous teniez à passer, cher Ninon. Pierre, une belle histoire ce soir, celle d'un Brésilien de 36 ans, qui s'appelle Antonio Senna, qui a passé 36 jours en pleine forêt amazonienne après cette sortie miraculeusement du crash de son avion, retrouvé par des cueilleurs de noix sur une civière, sauvé comme un autre miracle. Antonio, qui remercie Dieu, jure qu'on ne l'y reprendra plus, lui qui avait accepté aux commandes de son petit Cessna d'apporter du matériel aux orpailleurs d'une mine d'or illégale comme il y en a tant qui fleurissent en Amazonie. Mais pandémie oblige, comme il avait dû fermer son restaurant et son bar, il s'était résolu à accepter cet expédient. Dans son monomoteur, fin janvier, il vole vers sa mine d'or illégale. Il a raconté « Je volais à 3000 pieds ». Le moteur s'est arrêté. J'ai tenté de le relancer deux fois, rien. Le problème avec un monomoteur, c'est qu'il n'y en a qu'un. Deux minutes d'angoisse, a-t-il raconté à Michel Leclerc du Figaro, alors que se rapproche la mer verte de la forêt à perte de vue. Petit miracle, une clairière. Il atterrit entre les palmiers et les arbres. L'appareil est détruit, mais Antonio a le temps de prendre trois affaires et de s'extraire avant que l'appareil ne flambe. Senna va passer 7 jours à côté de l'avion, puis il se met en marche dans cette forêt où il craint les anacondas, les jaguars et les gorilles du cru. Mais l'instinct de survie et son intelligence l'ont sauvé. Você conviveu com dores? Era constante. Machucados que a floresta te trazendo, picada de insetos. Já nem ligava mais pra dor. Tinha que continuar andando. Você não tem tempo pra tratar. Ai, tô com dor. Tudo pra você remete a algo que vai te machucar, que vai te tentar tirar a tua vida. Então, se você ouve uma folha que tá caindo, ela parece um passo de alguém ou de algum predador. Eu basicamente me alimentava de frutos. O breu branco. E, na verdade, eu não conhecia aquele fruto. Eu nunca tinha visto aquilo. Você descobriu provando? Eu via que os macacos comiam aquilo. Si les macaques comiaient, on comia. Et puis, 36 jours après le crash et après avoir marché finalement 28 km tout droit, il va tomber sur un petit groupe de cueilleurs de noix dirigé par une certaine Donna Maria Jorge, une femme de 67 ans qui travaille depuis 50 ans dans la forêt. Quelques heures plus tard, un hélicoptère viendra le chercher. Antonio est sauvé. Cette aventure qui tient de Kessel, de Jack London, de Saint-Ex, de tous les grands auteurs d'aventure est d'autant plus belle qu'elle se termine bien. Après cette année bizarre et à l'heure du village global, l'histoire d'Antonio nous ramène à l'essentiel. Un homme en Amazonie, finalement heureux tropique, aurait pu dire Lévi-Strauss. Merci beaucoup Pierre, on adore cette histoire.